Voilà, je vous propose à présent de découvrir le mung bean. C'est une variété de haricots dont les valeurs diététiques permettraient de lutter contre certaines maladies. De plus en plus de producteurs s'aventurent dans la production donc de cette légumineuse qui pourrait lutter contre la vulnérabilité alimentaire et la pauvreté. Et c'est pour mieux faire connaître le mung bean qu'une journée promotionnelle a été organisée le 2 février dernier par Belouette Roger Bembamba, Adama Koulibaly. Nous sommes ici dans un champ de mung bean, une variété de haricots. Avec un rendement allant d'une tonne à 3 hectares selon les conditions climatiques, cette légumineuse a un cycle compris entre 55 et 90 jours pour 2 à 3 récoltes l'an. Le mung bean est à l'honneur ce 2 février dans le cadre d'une journée promotionnelle organisée par Belouette. Il faut savoir que mung bean, c'est une légumineuse qui est d'origine indienne. Et mon attachement à la terre pour contribuer aux côtés du gouvernement, aux côtés du chef de l'État, pour lutter contre le chômage, a justifié mon engagement, mon choix pour la promotion de cette légumineuse à mille vertus, mais qui est surtout une plante facile. Présentant des valeurs diététiques importantes, cette légumineuse est de plus en plus produite dans toutes les régions du Burkina et pourrait contribuer à l'autosuffisance alimentaire tout en procurant des revenus, d'où le soutien de l'État et de partenaires à la vulgarisation de sa culture. Nous sommes venus en juillet 2016 procéder à la distribution des semences aux producteurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de venir constater les résultats. C'est une plante vraiment qui est très adaptée aux terres fertiles du Burkina. Donc ça va aider aux agriculteurs, ça va aider à l'économie du pays à travers l'exportation. Cette journée est une opportunité de conquête de nouveaux marchés pour les producteurs avec à la clé des milliers de tonnes de commandes que le Burkina devrait honorer de la part de clients asiatiques.